Dominicain au Rwanda. Méditation de samedi de la première semaine du temps ordinaire, année B. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. La solitude est l'une des formes terribles de la souffrance et de l'esprit. Se sentir seul, abandonné, écarté, oublié, rejeté, mal aimé, est le pire des sentiments qui nous conduit au désespoir. Ce sentiment nous sépare de nos proches et devient terrible quand nous nous sentons abandonnés par Dieu. Jésus en a souffert sur la croix. Quand il a crié « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment alors sortir de cette quarantaine spirituelle ? Pourquoi doit-on emprisonner les pécheurs dans cet état ? En ce samedi de la première semaine du temps ordinaire année B, dans l'évangile de Saint-Marc, Jésus appelle Lévi et partage la table avec les publicains. Cet accueil chaleureux de Jésus va tout de suite choquer les scribes. Pour eux, un pécheur ou un traître de la tradition est à écarter de la société, de la famille et de la table des justes. Cependant, Jésus va au-delà des jugements humains. Il croit à la conversion et nous révèle que l'une des priorités de sa mission est de relever le faible, redonner la dignité aux pécheurs et guérir les malades. Au fond, Dieu ne veut écarter personne pour ses mauvaises actions. Il veut plus notre conversion qui nous rassemble avec les autres que notre perdition qui nous écarte des projets de Dieu. Aujourd'hui, le zèle d'exclure ceux qui sont perçus comme pécheurs n'a pas encore disparu. Les jeunes drogués sont souvent écartés pour cette raison. Certaines personnes, sociétés et communautés chrétiennes jugent et condamnent encore les divorcés, les séparés, les jeunes filles qui tombent enceintes en dehors du mariage. Le racisme et la discrimination hantent encore certains pays et privent certains gens l'épanouissement des enfants de Dieu, etc. Face à ces jugements et condamnations, Dieu nous invite aujourd'hui à briser ces barrières qui mettent à l'écart les enfants de Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs et la joie de Dieu est de nous voir tous rassemblés. Alors en quoi mes prières et mes œuvres redonnent-elles la dignité aux exclus, aux marginaux et aux pécheurs de nos communautés, de nos familles et de nos sociétés? Prions le Seigneur en fait qu'il nous donne la joie d'apprécier la présence des autres malgré leurs fautes ou leurs défauts. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.